Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cette petite vidéo dans laquelle on va parler des trois grosses rumeurs qui circulent depuis quelques jours déjà au sujet de Destiny. Donc je vous présente le sommaire de la vidéo. Bien évidemment, dans un premier temps, on parlera de ce fameux trailer PlayStation sorti sur la page Facebook officielle de PlayStation le 13 novembre dernier. Un trailer dans lequel il y aurait apparemment de nombreux easter eggs en référence à Destiny. Dans un second temps, on va parler d'une salle secrète mystérieuse qui aurait été découverte dans le dernier raid de Destiny. Et enfin, pour terminer, on va faire un bref résumé du dernier live Twitch officiel de Bungie. C'est parti, on commence avec le trailer PlayStation. Il est donc sorti le 13 novembre dernier sur leur page Facebook officielle. Donc ce trailer qui annonce bien évidemment, on s'en doute, l'arrivée prochainement du PlayStation Experience qui a pour but de nous mettre l'eau à la bouche et de nous annoncer entre guillemets par quelques petites fenêtres ouvertes les prochains jeux auxquels nous aurons affaire et les prochaines références. Donc ce trailer qui contient visiblement quelques easter eggs en référence à Destiny dont je vais vous faire la liste à présent. On commence le trailer avec l'apparition d'un spectre au tout début de la vidéo. Un petit peu plus loin dans la vidéo, on poursuit avec le Gjallarhorn que l'on reconnaît posé contre le mur derrière la table ronde où tous les personnages entretiennent une discussion. Un petit peu plus loin dans le trailer encore, on retrouve le logo Bungie qui n'a dû échapper à personne, ce logo qui se trouve sur l'épaule du personnage principal. Et enfin, les deux derniers easter eggs se trouvent dans la scène épique finale, là où tout le monde se met à courir. On aperçoit sur la gauche un titan qui porte la hache de Saladin et sur la droite un personnage qui a fortement l'apparence d'un rebut symbiotique. Et ce n'est pas tout, il y a d'autres trailers qui sont sortis sur la page de King PS4 et je vous laisse les découvrir dès à présent. After a hard-fought raid in the Vault of Glass, our king left the Guardians and Ishtar Sink well-equipped. The Gjallarhorn dropped as one of his most treasured weapons. May it bring you as much joy, Jonathan Dockery. I am indeed. Do you know what's in this very crate? I do. You do know. It is the Gjallarhorn from Destiny! It is yours, my good sir! The Gjallarhorn! Huzzah! Yeah! It is yours, my friend! Our king found himself on Mercury, home of the Sunbreakers and their burning forge. After earning their respect, he forged his own Hammer of Sol. Now it belongs to you, Matt Wilson. Eyes up. All Guardians need a ghost to aid them in battle. Now, it's on the way to guide you, Chase Murphy.
Donc vous l'aurez compris, ces quelques échos au jeu Destiny qui se trouve dans le trailer PlayStation annoncent bien évidemment la révélation d'informations prochainement. Malheureusement, nous n'en savons pas plus. Est-ce qu'il va s'agir de contenu additionnel, de l'annonce d'un autre DLC courant 2017 ou encore est-ce qu'il s'agit carrément d'informations en rapport avec Destiny 2? Il va falloir bien évidemment patienter un petit peu avant d'en savoir plus. On va maintenant parler de la salle secrète qui aurait été découverte dans le raid et là les avis sont très controversés. Donc le nouveau raid de Rise of Iron, la fureur mécanique, contient-il une autre salle secrète que celle de la quête du pic infectieux? Eh bien c'est ce que les anglophones affirment suite à la découverte d'une petite plateforme qui se trouverait dans les hauteurs de la salle du boss final, j'ai nommé Axis. Alors ce n'est pas l'avis que je partage, en revanche je vous transmets quand même la rumeur, l'information, prenez-le comme vous le souhaitez. Pour ma part, il s'agit simplement d'une zone qui a dû servir à la conception du raid, dans laquelle il n'est pas possible de se rendre, hormis en réalisant quelques péripéties avec son personnage. Je ne pense donc pas qu'il s'agit d'une salle secrète nouvellement découverte dans le raid, mais simplement d'une petite zone qui a été entre guillemets oubliée, mise à l'écart. Mais pour les anglophones, il s'agit d'une énorme révélation et de l'annonce d'une salle secrète dans ce raid. Un avis que je ne partage pas, une information que je vous transmets en revanche. Et enfin, pour terminer, que s'est-il raconté hier à l'occasion du live de Bungie sur leur Twitch officiel? Eh bien, pas grand-chose, si ce n'est que nous étions en présence du World Artist Rusty Durbin, ainsi que du Raid Designer Joe Blackburn. C'était donc le moment rêvé pour eux d'évoquer l'existence ou non d'une salle secrète dans le Raid, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est la raison pour laquelle je doute énormément de la précédente information. En revanche, ces deux concepteurs nous ont simplement fait partager les dessous de la conception des différents personnages et de l'univers du raid de Rise of Iron à travers notamment la diffusion de nombreux concept art. C'est donc malheureusement l'essentiel de ce qu'il faut retenir de ce live hier puisque nous avons surtout assisté à la réalisation tout simplement d'un raid en équipe et en live fait par les développeurs. Donc il ne fallait pas s'attendre à de très grosses révélations pour ce live, juste quelques dessous de la réalisation de notre jeu préféré. J'espère que ces infos néanmoins vous ont plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao tout le monde !